Yo tout le monde, c'est Last Barouleur. On se retrouve pour une petite vidéo. Vidéo ouverture songe. Comme vous le voyez ici, c'est tous mes corps songe. Bon, je suis bloqué dans mon songe. Je suis étage 387, du coup c'est pas une run étage 200 à 400, c'est voilà, j'ai arrêté 13 étages avant. On est sur de l'Idizael, Mansarde Royale, du Corruption Mansarde Royale et du Maître des Pantins, Talkasha. Oh, donc allez vous faire enculer, c'est fini pour moi. Je peux clairement plus y avancer. Donc là on va ouvrir tous mes petits coffres et bah, j'espère avoir de la chatte. Attends, je vais quand même vous montrer mes bonus, où est-ce que j'en étais un peu en termes de bonus dans mes songes. J'étais pas trop mal, on avait 765 AJ, 420 puissance, 550 vita et 8 esquive PM, bon ils sont là, tu sais pas trop pourquoi. Et puis voilà, on va pas plus parler, comme d'hab si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Et puis on va direct ouvrir les coffres. Bon ça, je spam parce que c'est que de la merde. Donc je spam, on s'en fout. Mec, je vais te signaler, t'as insulté. Oh non. Oh non, Smu. Bon, ça, on s'en fout, hein. C'est vraiment que de la merde. Ça va être bien à partir de là. Par contre, ça ouvre pas vite là. Attends, je vais mettre un abre-sac. Au début, c'est normal les full reflets, hein. C'est des caf. Ah, oui, d'accord, attends, c'est full bugué là. Je suis en live aussi, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, je suis en live en même temps. Donc si vous m'entendez répondre au chat, c'est complètement normal, ne vous en faites pas. Ok, on a des prismes maradites de merde, c'est logique. Hop, on ouvre tout ça, on ouvre tout ça. Que de la merde. Donc on commence à avoir un petit peu de reflet, ça reste toujours claqué. Sur celui-là, c'est claqué aussi, je crois. Sur celui-là, c'est claqué, donc on va ouvrir ces deux-là. Hop. Par contre, sur la fin, les gars, oh, il y a moyen de se faire de la... sur la fin, putain. Il y a moyen de se mettre archi bien. Il y a intérêt qu'on se mette archi bien. D'ailleurs, balancez vos estimations un peu en commentaire et dans le chat là. Balancez-moi vos estimations avec une run songe. Vous pensez j'ai fait combien de kamas? Moi je dis 70e. Classique, pas trop, pas passé. Ok, là on peut avoir des bonnes choses. Légende de Burado, ça peut être sympa. 60 reflets. Rune astrale et patente. Je crois que ça coûte quelques trucs quand même, rune astrale et patente. 500 000, ok, pourquoi pas. 30 reflets, prismaradis de sapin. Ok, de la merde. Ça c'est que de la merde aussi. Et après on a que des bons trucs il me semble. Ouais, après c'est que des bons coffres. C'est que des coffres avec des légendes dedans. Des légendes plus ou moins rentables, hein, on va pas se mentir. Donc ça on ouvre vite. 10e, 98e, 200 000, bah super. Bah super, on est bien le chat. Ok. Ok, donc pour l'instant... Les runes, ok, ça fait un petit peu de thunes, mais ça pue du cul. Ok, là on est sur des coffres, cool. 30 reflets. Là il me faudrait une Dame Jessica, c'est très bien. 60 reflets, Prismaradite Azuré. 30 reflets, 30 reflets, 300 reflets. Bon, les reflets, par contre, je sais pas ce que je vais en foutre. 70, 70e, c'était ce château, et 50, je dirais. Ok. Ok. Moi j'aimerais bien un petit. Ouais, 70e quand même. Prismaradite Azuré, 60 reflets, 60. Bon, si j'ai des légendes de merde, ça va me faire vriller, moi. Comment j'ai galéré à faire la run là? Ok, pour l'instant que des prismaradites un peu claqués. Ah, ça coûte combien les azurés? 6000 kamas. Ouais. Des reflets, rune astrale et patente. C'est combien les patentes? 500 000, ok. Il va full chat, non. C'est mal me connaître ça gros. Rune astrale et patente, d'accord. Azuré et patente. Et patente. Les élixirs, on s'en bat les couilles. 300 reflets. Moi, je crois qu'on n'aura pas de Dame Jessica pour l'instant. Hein. François, c'est les pires. Oh! Allez, hop! Hop, on flex, les gars. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit la Dame Jessica? On l'a pas dit! Je le dis, deux coffres après, elle tombe. Allez, hop. T'inquiète pas qu'on va dire déjà âge pour après, mon patin. Allez, déjà, la run songe a été rentable. Une petite Dame Jessica. Ça rentabilise instantanément la run songe. Yo Josh! Allez hop! Sacré plaisir! Je crois que c'est la seule légende que j'avais besoin, à part les jaches et tout ce qui coûte cher, tu vois. Ok, là on est sur des gros coffres. Là on est sur des Phalanster Ganymède. Ah, un petit Phalanster ou une petite légende de misère là. En scred, tu me glisses ça dans la poche. Ça c'est 400 000 kawa, hein. Prismaradis de Saffre. Sacré plaisir! Prismaradis de Saffre, 400 000, 400 000, 400 000. Là on est sur du 1,5 million.
Ok, sans reflet, prismardite de safre, safre, sans reflet, safre. Oh, bon, c'est bon le prismardite de safre là-haut. Ça fait déjà 5 millions de prismardites. Rune astrale merveilleuse, 1,7 million. Non, légende animale de. Ta grand-mère, reine des putes là. À la place d'un gros coffre. Oh, j'ai la haine, notre chat, j'ai la haine. Tu peux que je t'allume mon téléphone. Il est où? Oh, j'ai la haine, notre chat, j'ai la haine. Bon, ça reste une légende animale, pourquoi pas. On va pas cracher dessus. Ok, là on peut avoir légende de guerre, ce serait le truc le plus rentable. Et les prismardites de parme, 6000 communités. Ok, rien à foutre. Ça, on va les ouvrir vite. Oh, c'est quand même mieux que sans reflet, on va pas se mentir. Mais ça reste pas ouf quoi. Ça, on va ouvrir vite. J'espère pas de légende là-dessus, histoire de paniquer mon karma pour les prochains coffres. Crocobure, ça coûte combien les gars? Crocobure, ça coûte cher ou pas? Là, j'espère avoir une crocobure, une corruption. Allez, on ouvre, parme, parme. Hop. Ok. Ok, rien de ouf. Bon, là, j'espère une crocobure, une corruption. Vu le nom qu'il y a, une petite corruption là. Ok, Indigo, je crois que c'est pour cher. Ah non, 41 000 kama. Pour l'instant, on s'est fait 0 kama avec les coffres. Master Escroc pour le follow. Non, trompe la mort. Non, c'est la pire légende, gros, j'ai la haine. J'ai la haine, le chat, j'ai la haine. C'est la seule que je veux pas, c'est la seule que je me tape, gros. Ah, ça commence mal, le chat, ça commence mal. Oh, Last in the Sauce, là. Putain d'enculé. Légende de Pukashi, mais non, mais gros. Donne-moi une corruption, une crocobure, en fait. Mais je me fais douiller là! Mon Pukashi à skip c'est bien! Mais non! Crocobure là, quelque chose! Une corruption là! 1000 reflets, prismardite indigo, élixir, 200 reflets, 100 reflets, 1000 reflets, indigo, 1000. Bon, les reflets je vais en avoir blindé par contre. C'est baf, c'est 5ème HDV. Oh, Pukashi c'est pour les cocottes légendaires, débile. Oui, mais ça se vend pas gros! Il faut 10 000 autres trucs pour les. Une astreinte merveilleuse. Une petite crocobure ou. Corruption. Allez là. Surtout que ça, on me l'achète directement la corruption. J'ai quelqu'un qui me l'achète directement. Donc c'est du fou bénef là. Prismardite indigo, des reflets, astreinte merveilleuse. Sans reflet, indigo, sans reflet. 1000 reflets. Une astreinte merveilleuse, sans reflet. Mille reflets, 1000 reflets, 200 reflets, indigo, 100 reflets, indigo, une astrale merveilleuse, ok. Bon, là c'est le coffre le plus important, je veux une jage. Par contre, si j'ai une Rikerel, je vous jure que je saute par ma fenêtre. Vous voyez la fenêtre derrière, je saute par la fenêtre si j'ai une Rikerel, gros. Si j'ai une Rikerel sans jage ou sans servitude, je saute par la fenêtre. Ok, rune astrale légendaire. Ça c'est du 6 millions, ça quel plaisir. Ouh, allez hop, 12 millions. Prismaradite Saint-Zolin, c'est du 1,5 million le Prismaradite, ça c'est rentable aussi. 2500 reflets, pourquoi pas. Arrête de me donner des reflets de moi, des Saint-Zolin là. Arrête. Mais gros, attends, c'est combien les reflets? C'est 30, putain. Oh, que des reflets. Prismaradite Saint-Zolin, ok. Élixir, on s'en fout. Reflets, on s'en fout. Zinzolin, ok. Zinzolin, c'est ok. Ok, les Zinzolin, ça fait plaisir. Oh là, les. Ok. Bon, les reflets, on va en avoir trop. Je sais pas quoi foutre de cette merde. Zinzolin. Zinzolin. Ah, je crois qu'on va rien avoir, chat. Hein. Zinzolin. Ok, en tout cas en Zinzolin ça va. On n'est pas trop mal. Non! Merde, j'ai failli mourir. Putain, légende de Behemoth, va te faire enculer. C'est la pire légende, gros. On s'en fout du Behemoth là. Behemoth ou je sais pas quoi, on s'en bat les couilles là.
Rune astrale légendaire, ok, ça rattrape. 2500 reflets, 500 reflets, 250 reflets, prisma 1021. En vrai, ça va mes couilles, gros. J'ai eu que des légendes d'animal de merde. Je m'en fous de tes légendes d'animal, gros. On veut des corruptions, on veut des jasmes. T'as pas marre de crier. Non, j'avais pas marre de crier. Je vous jure, je saute par la fenêtre. Si j'ai une requérelle, je saute par la fenêtre, les gars. Tu tomberas pas très bien. Je te leur dis pas. Je suis au quatrième étage, les gars. Je suis clairement rétroussé. Rune astral légendaire, ça carie. 2500, m'en fous de tes reflets. Voilà, de moi des insolins là. 3 coffres, les gars. Allez. Une. Ah merde, j'ai un overdose d'un coup. Oh, je suis. Oh. J'ai la haine quand même. Putain. Pas. Quoi, c'était pas la fenêtre? Ah non, j'ai pas eu de truc. Du coup, on s'est fait. Environ 140 millions. J'ai commencé le 22, donc en 3 jours. T'es vieux d'un boudineux là. YesPNF. Moi, tu peux craft Pritec là. Ouais, encore vite fait, hein. J'ai pas assez de Prismardis d'Inzola. Hein. Il en faut plus. Ah, quoique, il en faut 20. Ça, il m'en faut plus. Hein. Pour craft un seul Pritec, il me faut plus de Zinzola, de tout ça. Bon, du coup, 140 M en une run, c'est une run moyenne. Oui, ça fera pas 140 M cash. Hein. Légende de Behemoth, ça pue de ouf. Pour le tech payante, c'est 20. Ouais, je sais pas. Mais ça, je crafterai. Enfin, je verrai ce que j'en fais. En vrai, le seul truc rentable, c'était la Dame Jessica. C'est un 20 millions Dame Jessica. Je sais que ça se vend, ça se craft. Ah oui, il y a les élixirs aussi, ouais, j'avoue. On doit en avoir blindé en plus. Bon, après, ça rajoute rien comme valeur. Est-ce qu'on est en. On était un TT avec Team. Ah oui, bien sûr, tu peux faire des songes. Donc voilà la petite run. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci d'avoir checké la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner, ça fait plaisir.